Bonjour et bienvenue au TVA Midi. Alors que le conflit entre Israël et le Hamas entre dans sa troisième semaine, un premier convoi d'aide humanitaire très attendu est entré à Gaza. Audrey, c'est un premier pas, mais c'est loin d'être suffisant. On a peut-être de l'aide humanitaire, Véronique, qui est entrée pour environ une journée, en tout cas au niveau des bouteilles d'eau. Donc, des camions comme ceux-ci, environ une vingtaine, sont entrés par l'Égypte, donc par le poste frontière de Rafah, dont on vous parle depuis un bon moment, le seul point d'entrée de Gaza qui n'est pas contrôlé par Israël. Donc, une vingtaine de camions transportant de l'eau, donc 44 000 bouteilles d'eau potable, plus précisément, des conserves, donc de nourriture, des fournitures médicales aussi, mais pas de carburant. Alors, ça aussi, c'est un problème. Là, il va en falloir pour pouvoir continuer là, finalement, à faire fonctionner certaines choses dans l'économie là-bas. Évidemment, c'est loin d'être suffisant. Chaque jour, il passe environ 500 camions normalement et là, il y en a 20 qui sont entrés. Alors, on appelle à ce qu'il y en ait d'autres qui entrent, bien sûr. Et après le passage de ces camions-là, bien, on a tout de suite refermé le poste frontière. Donc, les gens binationaux qui tentent de passer en Égypte, bien, sont toujours coincés finalement du côté palestinien. Et en même temps, vous allez voir les dégâts à Gaza. Ça se poursuit, les bombardements israéliens. Donc, malgré l'aide qui arrive, on n'est pas sorti du bois, là, si on peut dire ça comme ça. Donc, il y a un gestionnaire du Croissant Rouge du Qatar qui dit, bien, on espère qu'il y a davantage d'aide qui va arriver parce qu'évidemment, il en faut davantage. On peut l'écouter. Mais nous espérons que ça soit une bédaille. ويصل بعدها يعني مساعدات تكون كافية ويكون هناك ضغط دولي لوقف العدوان على قطاع غزة بحيث إنه شيئا فشيئا يتم تحسين الوضع في قطاع غزة. Et pendant ce temps, Audrey, les appels à un cessez-le-feu se multiplient au sommet pour la paix en Égypte. Il y a plusieurs hauts dirigeants qui sont réunis près du Caire donc pour parler de ce conflit-là, pour réclamer un cessez-le-feu le plus rapidement possible parce qu'on est rendu, Véronique, à 1400 morts en Israël, 4385 en territoire palestinien. On dit c'est un cauchemar, il faut épargner les civils. Alors oui, l'aide humanitaire, on en veut davantage, mais on veut carrément que le conflit cesse finalement. D'ailleurs, le Canada qui est présent à ce sommet-là, Mélanie Joly, qui est là, a annoncé 50 millions d'aides supplémentaires pour la bande de Gaza en disant que le Hamas n'y toucherait pas. On peut l'écouter. Even in times of crisis, there are principles. And even in times of war, there are rules. Palestinians and Israeli civilians are equal. And both must be protected. Nous ne devons jamais oublier la solution à deux États. Il est nécessaire qu'Israéliens et Palestiniens vivent ensemble dans la dignité, la paix et la sécurité. Pendant ce temps, on cherche encore à évacuer les Canadiens qui sont coincés là-bas en Israël. On parle de 1578 Canadiens et étrangers qui ont été évacués là, depuis le début du conflit à bord de 16 vols et de 3 autobus. Il y aurait 455 Canadiens toujours inscrits à Gaza et en Cisjordanie, donc qui pourraient éventuellement vouloir quitter, là, on le comprend, ces territoires en guerre. Et pour l'instant, bien, Israël se prépare toujours à une offensive terrestre. On continue de surveiller ça. Il y a toujours des tensions au nord aussi avec le Liban, donc une situation en évolution, Véronique. Merci beaucoup pour les détails. À plus tard.